Thank you.
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 The teachers, the coaches, the musicians, and the committee members, please welcome them onto the stage and with me show your appreciation for the tremendous work they do. Thank you. Et aujourd'hui, nous avons été enchantés de voir tous ces finalistes extraordinaires sur scène, mais il ne faut pas oublier que déjà de participer au prix de Lausanne, c'est extraordinaire pour un jeune danseur. Nous avions reçu cette année 226 demandes d'inscription, 81 candidats ont été retenus, et à part les 20 finalistes de ce soir, nous avons encore les autres qui sont là et qui méritent aussi nos applaudissements. Je vais leur demander de monter sur scène. Come on stage, please. Come on stage. Each year, in addition to the people we've already mentioned, the Prix de Lausanne depends on the voluntary contribution of 9 jury members, each one a leader in the international dance community who generously donate their time, their expertise, and their skills to the Prix de Lausanne. So please welcome onto the stage the 2010 Prix de Lausanne jury. They are the Associate Director of the San Francisco Ballet School in the USA, Lola Diavola. Elle a été lauréate du prix de Lausanne en 1981. Elle est maintenant maîtresse de ballet à l'Opéra National de Berlin en Allemagne. C'est Christine Camillo. Associate Director of the Houston Ballet Ben Stevenson Academy in the USA, Shelley Power. Elle est directrice du Ballet National de Chine à Pékin, Madame Chao Ruang. Of the Palooka Schule Dresden in Germany, Jason Beachy. Il était lauréat du prix de Lausanne en 1996. Il est devenu principal au Ballet Royal de Londres en Grande-Bretagne. C'est Federico Bonelli. The director of the Bavarian State Ballet in Germany, Ivan Lischka. Et il est directeur artistique du Ballet Contemporain du Théâtre Saint-Martin à Buenos Aires en Argentine, Mauricio Weinroth.
And the president of the jury 2010, the former artistic director of the Royal Danish Ballet in Copenhagen, Denmark, Frank Andersen. And now it gives me great pleasure to introduce the president of the Prix de Lausanne's Board of Trustees, Mr. Charles Gebhardt. Mesdames et messieurs, chers amis du Prix de Lausanne, je voudrais remercier sincèrement nos sponsors et donateurs de leur soutien qui nous permet d'organiser ce concours et ainsi d'offrir à de jeunes talents une formation de grande qualité. Je voudrais aussi remercier le public ici dans la salle et les téléspectateurs pour leur soutien, l'encouragement et la fidélité. Cette 38e édition du Prix de Lausanne est particulièrement émouvante pour moi, car c'est le dernier Prix de Lausanne que je préside. J'ai en effet décidé de passer la main à la génération suivante et j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle présidente, Madame Bette Krasna. Thank you, Charles, from all of us for all the work you've done. A warm welcome to Beth. And finally, please welcome the wonderful young artists you've seen performing today, the finalists of the 2010 Prix de Lausanne. Et maintenant, c'est vraiment la remise des prix. Le premier prix qui va être remis ce soir, c'est certainement celui qui vous touche, vous, cher public, le plus à cœur, puisque c'est vous qui l'avez décerné. Et le décompte de vos votes a indiqué que le lauréat de ce prix du public ce soir est un élève de la Houston Ballet Ben Stevenson Academy, Christian Emmanuel Amuchastegui. Et maintenant, quelque chose qui n'était plus arrivé depuis très très longtemps et qui nous fait vraiment très plaisir, c'est de remettre, offert par la Fondation Lennartz, le prix du meilleur Suisse à Alexandra Valavanis. Nous en arrivons aux bourses d'études ou de stages, donc aux 7 finalistes qui vont être les lauréats de cette édition. La bourse numéro 7 est offerte par la Fondation Pro Scientia et Arte et elle est décernée à un élève de la Amherst School for Dance à Birmingham, Lewis Turner. La bourse numéro 6 est offerte par la Fondation Coromandel. Elle est remise à un élève du Ballet Met à Columbus, Christopher Evans.
La bourse numéro 5 est offerte par la Oak Foundation et elle est décernée à un autre élève de la Houston Ballet Ben Stevenson Academy. Il s'agit de Aaron Sharratt. La bourse numéro 4 est offerte par la banque Julius Baer. Elle est décernée à une élève de la Tanzakademie à Zurich, Caitlin Stavarouk. Avant de récompenser les trois meilleurs finalistes, il est temps pour nous de remettre un prix qui est un petit peu à part, qui est le prix d'interprétation contemporaine. Ce prix est financé par la Fondation Nestlé pour l'art, qui nous permet de mettre en place tout le programme de danse contemporaine au prix de Lausanne. C'est un prix qui récompense le finaliste qui a le mieux interprété sa variation contemporaine lors de la finale. Et le jury a déterminé qu'il devait aller à un élève de la Amherst School for Dance à Birmingham, Lewis Turner. Passons aux trois meilleure bourse, bien qu'elles se valent toutes, mais enfin, il faut bien un classement quand même. La bourse numéro 3 est offerte par Advec Management. Elle est décernée à une élève de la Yuriko Kawaguchi Ballet School à Tokyo. Il s'agit de Mariko Sasaki. La bourse numéro 2 est offerte par le Beau Rivage Palace et elle est remise ce soir à un élève de la San Francisco Ballet School, Francisco Mungamba Reina. Une précision avant de passer à la bourse numéro 1. Les finalistes de ce soir qui n'auront pas reçu de prix reçoivent une prime d'encouragement qui est financée par la maison Bobst SA, qui est l'un de nos sponsors qui nous soutient depuis plus d'une vingtaine d'années. Et maintenant, la bourse numéro 1, celle qui va à une future étoile de la danse, c'est-à-dire au vainqueur de cette soirée. Elle est décernée à votre favori, Christian Emmanuel Aboutchastegui.
C'est toujours un moment extrêmement émouvant. Et cette cérémonie clôt la 38e édition du Prix de Lausanne, mais nous ne voudrons pas fermer le rideau avant de remercier toutes les personnes qui ont fait magnifiquement fonctionner cette semaine de concours, en particulier l'extraordinaire équipe du Théâtre de Beaulieu, toute l'équipe des bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés, les membres de l'administration, les membres du secrétariat, le docteur Carlo Bagouti qui a été extrêmement précieux pendant toute cette semaine. Et nous vous retrouverons en 2011, le 6 février, sur cette même scène. Bonsoir.